Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Wow. Il mérite la gloire, la louange, l'honneur, la majesté. Seigneur, merci. Nous sommes là pour t'adorer, papa. Apprends-nous à t'adorer. Amen. Ah ben c'est Yesu, hein? Vous l'aimez, non? Yesu, Yesu, oh, Yesu, oh, oh, Yesu. Qui est attaché aux traditions? Qui veut être libéré des traditions, des coutumes? Coutumes et traditions. Ô Seigneur, sauve-nous. Qui est beaucoup combattu par l'orgueil ici? L'orgueil. L'orgueil spirituel. Ben,
la connaissance de la Bible, tout ça, les versets, les dons, tout ça. Voilà. OK. Pour finir, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, humainement parlant, comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous détacher de la puissance de l'ennemi. Et je dis bien, il y a plusieurs types de délivrance. On a besoin d'être libéré du péché, des démons. Il y a aussi les traditions, qu'elles soient françaises, africaines, antillaises, asiatiques, tout ça. Les traditions, ce qu'on a hérité de nos pères, de nos ancêtres. C'est une maladie, en fait, on ne connaît pas l'origine, c'est la sarcoïdose. Sarcoïdose. Waouh. Sarcoïdose. Oui. Et donc, du coup, en fait, c'est les poumons qui étaient atteints. Waouh. Donc, en fait, quand j'ai commencé à avoir cette maladie, même pour m'habiller ou mettre mes chaussettes, c'est comme si j'avais fait un marathon de Paris. Donc, pour essayer, on va dire, de me guérir, donc j'étais sous cortisone. En fait, quand je ne prenais pas ma cortisone, j'avais des plaques, parce que aussi les poumons, mais j'avais des plaques sur le corps. Et pendant une semaine, je dis, il faut que j'aille chez le médecin prendre ma cortisone, il faut que j'aille chez le médecin prendre ma cortisone. Et un matin, je me réveille, c'était un samedi, je me regarde devant le miroir, je dis, mais il y a un problème. J'avais plus de plaques sur le corps. Et ben, je me sentais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, on va dire délivrée. Et c'est, on va dire, une sœur en Christ, c'est ma meilleure amie, en fait. Je ne comprenais pas encore le sens et elle m'a dit, mais Dieu t'a délivré, Dieu t'a guéri. Et quand elle me l'a dit, en fait, je me souviens, j'étais à l'aéroport, à Orly, et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc je remercie le Seigneur. Et là, tu as fait des examens? Oui. Et à pleurer? Et j'ai eu les résultats hier. Et à pleurer? Il n'y a plus rien. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va pas la jambe là? C'est quoi? T'as l'épilepsie, tout ça là. Waouh. Tension, tout ça. Ok. Oh, les gens souffrent. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Sors. Sors de sa vie. Maintenant. Sors. Jesus. Oh, Jesus. Je vais appuyer tes doigts. Ton dos, hein? T'as la ceinture avec toi là? Tout son dos, depuis combien de temps? Ça fait 7 mois. 7 mois. Vous pensez que Dieu peut guérir son dos là? Qui le croit, frères et sœurs? Oh, c'est un démon qui va partir là. Dieu m'a montré ça là. Regardez-moi la ceinture là. Regardez-moi tout ça. C'est un démon là. Ça sort là. Voilà. Ici là. Ça sort. Dis à ton voisin, tu es là. Le démon sort, quitte son dos là. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh! C'est l'hôpital ici. Regarde comment elle marche la dame là. Elle marche normalement maintenant. Regarde-moi ça, viens. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Regarde-la. Mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Marcher.
la gloire de Dieu là. Asseyez-vous, c'est fort. Regardez la dame, regardez-la. Elle peut plier ses doigts maintenant là, c'est magnifique. Va enlever ta ceinture dans les toilettes là-bas et tu reviens. Jesus. Et la béquille est là? Donne-moi sa béquille, donne-moi sa béquille. Oh Jésus de Nazareth. J'ai marché, marché, sans béquille, sans béquille. Je tournais, tournais, sans béquille. Je m'en fouillais, sans béquille, sans béquille. J'ai marché, marché, sans béquille. Je tournais, tournais, sans béquille. Je fouillais, fouillais, sans béquille. J'ai marché sans béquille, je tournais, tournais, sans béquille, je fouillais, fouillais, sans béquille, elle est complètement guérie. Elle marche, marche, sans béquille, elle tournait, tournait, sans béquille, elle fouillait, fouillait. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Wow! Vous vous rendez compte? Il opère, il opère, il opère, il opère, il opère. Il opère, il opère. Oh yo, il opère Jésus. Notre Dieu guérit, notre Dieu sauve. Notre Dieu guérit, notre Dieu sauve. Notre Dieu guérit, notre Dieu. Oh notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Oh! Je marchais, marchais, sans ceinture, sans ceinture. Je tournais, tournais, sans ceinture, sans ceinture. Je fouillais, fouillais, sans ceinture, sans ceinture. Elle marche, elle marche, marche, sans ceinture. Qui est encouragé par tout ce que Dieu fait? On a dit quoi? Jésus allait de lieu en lieu, libérant les hommes. Mais c'est ça! Les démons sont chassés. Les gens se font baptiser. Les malades sont guéris. Les gens laissent leur béquille. On ne force pas. C'est naturel. Même moi, je me demande, mais Seigneur, mais c'est terrible quand même. On est comme des enfants, là. On dit, oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Hein? Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Quelqu'un ici pratique la sorcellerie. Le Seigneur te donne une occasion pour te repentir aujourd'hui. C'est une occasion pour te sanctifier. Des jugements terribles arrivent sur les assemblées. Des jugements terribles arrivent sur les églises. Des jugements terribles, terribles arrivent. Terribles. Le Seigneur me dit de dire que le temps d'Ananias et Saphira, ce temps-là, est en train de revenir là. Terrible. Dieu sépare son peuple. Sépare son peuple. Sépare son peuple. Sortez, 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 sortez. Courez, courez pour vos vies.
Courez avec vos familles, courez vers le Seigneur, courez, courez, courez. Jeune fille, tu es au milieu des gens qui passent leur temps dans les critiques, les murmures. Toi, tu ne ressens plus, tu ne veux plus de cette vie. Le Seigneur te dit, c'est moi qui te mets cette pensée, qui te met, qui te parle, c'est moi qui te parle. Le Seigneur va te séparer davantage, là, te séparer davantage. Des temps nouveaux, des temps terribles arrivent, frère, des temps terribles. Des temps terribles. Une grande persécution arrive. Une grande persécution dans les nations. Une grande persécution que Dieu lui-même envoie. Et pendant cette persécution, au travers de cette persécution, le Seigneur va nettoyer. Le Seigneur va épurer. Le Seigneur va révéler l'état des cœurs, les motivations des uns des autres, dans les nations. Et le Seigneur dit, après cette persécution, après ce temps de nettoyage, d'émondage, la trompette va retentir. La trompette va retentir. Et cette église qui partira, c'est une église persécutée. Une église nettoyée, purifiée. Vous qui avez reçu mes trésors, vous qui avez reçu des talents, vous qui avez reçu l'appel, préparez-vous à pleurer encore. Préparez-vous à pleurer. Préparez-vous à souffrir. Préparez-vous. Préparez-vous. Le Seigneur dit, le modèle d'église que nous avons connu hier, c'est fini. Pour ceux et celles qui veulent aller au ciel. Ces 3, 4, 5 frères qui vont se retrouver ici et là, qui vont prier, partager. C'est fini. Une grande persécution. Et beaucoup vont céder. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont se compromettre. Beaucoup n'oseront plus parler. Mais le Seigneur dit, comme dans Apocalypse 11, ces deux prophètes, les gens vont parler, la terreur de Dieu va tomber sur les ennemis. C'est des gens qui ont connu la croix. Dieu veut passer son église par la purification, par la croix. Et les vrais chrétiens chercheront le trône du Père, reviendront à leur premier amour, à la consécration totale au nom de Yeshua. Toi qui voulais abandonner, n'abandonne pas la foi. Toi qui voulais abandonner, n'abandonne pas. Le Seigneur te dit, bientôt nous allons partir. Bientôt, bientôt, bientôt. Ne vous arrêtez plus sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent sur vous. Le plus important, le Seigneur dit, c'est ce que lui dit. C'est ce qu'il pense de nous. C'est ça le plus important. Il a commencé une œuvre avec vous. Il va l'achever. C'est ça le plus important. Il va l'achever. Amen.